Well, and thank you so much. This is really, I'm a repeat offender coming back here for Cinemon because the films are just fantastic and the people are great. I've gotten a lot of fantastic feedback tonight about a lot of the chocolates that I'm sampling here, one of which is the Gramercy Classic, which is true New York. Well, first of all, Jerry Rudess is a great curator, and both the short film by Florence and A Bottle in the Gaza Sea. There's good movies. One more time? Both movies were excellent. Really eye-opening and shows you the power of young people and how, you know, I always say we live on this tiny planet. Why can't we get along? I'm having a wonderful time at Cinemonde. Bienvenue à Cinemonde. Welcome to Cinemonde. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Pourquoi tu ne peux pas venir à New York ce soir avec nous? Mais j'aurais adoré être parmi vous, vraiment. J'étais au mois de janvier présenter le film pour un festival. Et récemment, j'étais à Indianapolis, où le film a eu plusieurs prix dans ce festival. Mais il faut bien aussi faire les films, et je suis en tournage à partir de très bientôt. Je commence le tournage d'un autre film, donc je ne pouvais pas être parmi vous ce soir. Nous sommes désolés, mais enfin, on va profiter quand même de ton film. Où est-ce que tu es actuellement ? Actuellement, je suis à Paris, dans un bar qui s'appelle le Murano, qui est tout près de la Bastille. Et voilà, c'est un endroit où des fois on peut rencontrer des journalistes, en fait, où on fait des interviews. Et comme je viens d'en faire une pour le film, je suis resté pour pouvoir répondre à vos questions. Thierry, raconte-nous un peu comment tu as découvert le livre de Valérie Zenati. J'ai découvert le livre de Valérie Zenati par ma nièce, qui était en train de le lire. Et je lui ai demandé si ça lui plaisait, ce qu'elle lisait. Elle m'a dit, non seulement ça me plaît, mais je suis sûr que ça va te plaire aussi énormément. Et elle m'a donné le livre, je l'ai lu, et au fur et à mesure de ma lecture, je savais que je voulais en faire un film. J'ai tout de suite vu dans ce récit l'ensemble des questions que je me posais depuis très longtemps. Donc le livre terminé, j'ai tout de suite contacté l'éditeur, je lui ai demandé si c'était possible de rencontrer Valérie Zenati. Et j'ai pu rencontrer Valérie Zenati assez facilement. Je lui ai d'abord écrit une lettre, on s'est après donné un rendez-vous qui a duré longtemps, plus de 2 heures, où on a parlé, où je lui ai dit mon désir de faire le film. Elle n'y croyait pas beaucoup parce que le livre est un livre épistolaire, c'est-à-dire c'est la correspondance entre Tal et Naïm, ce ne sont que des lettres échangées sous forme de mail, et elle ne voyait pas comment, a priori, on pouvait adapter des lettres en film. Et puis on a relevé le défi ensemble, je lui ai proposé de travailler avec moi, et on a écrit le scénario à partir de cet échange de lettres. Est-ce que tu connais bien le Moyen-Orient ? Est-ce que tu as connu avant de faire le film ? Oui, je connais bien le Moyen-Orient. J'y suis allé plusieurs fois avant de faire le film. J'ai même quelques membres de ma famille qui habitent en Israël. Donc ce sont des questions que je me pose depuis toujours. En France, on est très, 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 très régulièrement au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc ce sont des questions, des interrogations, des doutes que j'ai depuis toujours autour de toute l'espérance qu'on peut avoir par rapport à cette région du monde. Et faire ce film était pour moi la possibilité de mettre en scène toutes les questions qui m'habitent. Est-ce que le film a eu une sortie en France et les réactions étaient, je suppose, diverses ? Oui, le film est sorti au mois de février en France. Avant ça, il avait fait de nombreux festivals. Il continue d'ailleurs à en faire un peu partout dans le monde. Et les réactions ont été plutôt très chaleureuses d'une façon générale, parce qu'il y a, quelque chose d'apaisant dans le film. Il n'y a pas quelque chose de ce n'est pas un film qui lance une polémique qui voudrait mettre dos à dos deux populations. Au contraire, c'est un film qui montre la vérité de chacun, et j'ai l'impression que les gens avaient envie de découvrir cette chose-là. Do you think the film will be shown in Israel or in Palestine? Oui, très bientôt, very, very soon.
puisque le film va sortir en Israël au mois de décembre à l'occasion d'un festival. Et là, par exemple, je pars après-demain en Algérie présenter le film et dans plusieurs villes algériennes. Et pour moi, c'est une grande première puisque mes parents viennent d'Algérie. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc, le fait de pouvoir y aller grâce au film, c'est un véritable cadeau. Et le film va sortir en Cisjordanie par le biais des instituts français. Do you think this is something? The themes of this movie can be understood in today's situation. Le film et les deux personnages du film sont des adolescents et je crois beaucoup dans la jeunesse du monde en général et en particulier dans cette région du monde. C'est-à-dire une génération qui subit plus le poids de l'histoire qu'ils ne l'ont créé eux-mêmes. Et je crois qu'il y a un désir de changement, un désir d'aller au-delà de tout ce qu'ils ont reçu depuis des années et des années. Ça n'est pas facile, c'est vraiment pas facile du tout. Mais je pense que le monde bouge, le monde change beaucoup plus vite qu'on ne le pense souvent. Et tout est possible, tout est véritablement possible. Et quand on est dans ces régions du monde, on s'aperçoit à quel point la vitalité de la jeunesse peut changer l'ordre des choses. Thierry Beniste, merci bien pour être avec nous ce soir et encore merci pour nous permettre de montrer le film à New York. Et on va passer un très bon moment sans toi, malheureusement. But we hope you can join us another time, peut-être avec un autre film, avec un autre film que tu es en train de monter maintenant. J'espère très prochainement. J'espère vous retrouver très prochainement. Merci d'être là. Merci OK, Thierry, ciao, bonsoir et à bientôt. À bientôt, au revoir.